Salut tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la Mamassi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, en guise de revanche de la vidéo que vous avez bien aimée où Manon choisissait ce que je mangeais pendant 24 heures, je vais tout simplement choisir ce qu'elle mange pendant 24 heures. Tu caches quoi là? Bon, elle est en pyjama, elle veut pas qu'on la filme. Mais moi, c'est parti, je suis prêt. Je vais aller à la petite supérette du coin pour choisir déjà son petit déjeuner et voir sa tête une fois qu'on revient sur qu'est-ce qu'elle va manger. Aujourd'hui, il y a un plan de prévu, c'est qu'on va aller chez Five Guys pour tout simplement tester Five Guys en Malaisie avant de partir en Indonésie puisqu'on part à Bali aujourd'hui dans cette vidéo. Donc au cours de cette vidéo, on teste Five Guys. Mais je ferai aussi mes choix sur ce que Manon va manger là-bas, ce qu'elle va manger ce matin au petit-déj, ce qu'elle va potentiellement manger sur un goûter, ce qu'elle va manger ce soir. En gros, j'ai carte blanche pour me venger sur ce qu'elle mange, mais aussi sur ce qu'elle boit. Parce que je vous rappelle que j'ai eu droit à des trucs bien sympas si vous n'avez pas vu la vidéo. Quand je dis bien sympa, elle m'a vraiment niqué. Elle est dans le lien dans la description. À mon tour de la faire payer pour tout ça. Tu vas bien manger. Eux, ils savent ce que tu vas manger. C'est vrai? Bah oui, je leur ai montré. Merde. Bon, déjà, tu vas boire ça. Ça va. Bah, c'est quoi? Le goût? Je sais pas. Moi, je me suis mis bien. Peut-être c'est bon, hein. Petit goût citron. Ouais. Pourquoi pas toi? J'y arrive pas. Et moi, j'ai un petit shaker goût café, c'est tout. Petit déj simple, efficace. Et toi, c'est quoi? Goût sakura. C'est une fleur, non? Donc, tu vas boire des fleurs. Tu vas chier des fleurs aussi, je te le dis. Chin. C'est bon. C'est vrai? Si tu voulais me faire boire un truc dégueulasse. Non, ben non, j'ai dit que ça c'était le truc gentil. Ah bon? Super, elle veut pas manger grand chose ce matin. C'est tasty. Ah ouais, c'est bon. J'arrive avec le reste. Ferme les yeux. La partie 2 est en train d'arriver. Mais pourquoi pas la 1? Non, la partie 1, tu viens de la voir. Ah ok. Voilà. Mais non. Pas des nouilles. Mec, il est 8h du mat. Nouilles instantanées goût tom yum. C'est quoi ça? Crevette. Oh non, pas crevette. Je m'en doutais qu'il était en train. Attends, j'étais gentil. J'ai pris la version la moins calorique. Gentil, moi j'étais au brunch, je lui ai pris des toasts avocado. Attends, elle a commencé par me prendre un truc. Une boisson à la betterave. Une boisson à la betterave. Alors hein, là, tu vas manger un truc. Oh putain. Ça va être tasty avec un peu de piment au-dessus. Ça pique de ouf en plus. Et alors, évidemment, il fait que 260 calories. J'ai été gentil avec toi. Petit déjeuner, 8h du mat. Miam, miam, miam. Oh my god, c'est quoi tout ce liquide? Et franchement, si ça pique. Je m'entraîne dans genre même pas 30 minutes là. Une soupe maintenant. Petite soupe au petit déjeuner. Ils ont dû te regarder chelou hein, en achetant ça. Ben non, là-bas c'est normal chez eux. Faut ouvrir chaud. C'est trop chaud. Ah bah oui. Ah, j'ai laissé le couvercle. C'est pas grave, laisse-le un petit peu refroidir. Je vais chercher le troisième partie du plat. Oh non. Un mochi au durian. Mes protes, elles sont où? C'est une blague. Au durian, Manon. Mais putain, 130 cales pour cette merde. Plus 200, ça fait que 400 cales le petit déjeuner. Oh, j'ai le seum de... C'est ok. À la base, je voulais prendre un truc comme ça, il faisait 400 cales déjà. Et je dis mais bon, durian, allez. Durian, non mais ça, j'ai la gerbe rien qu'à penser à l'odeur. En fait, j'ai regardé ça et puis je baisse les yeux en regardant les calories et devant mes yeux, ah, il y a des glaces et il y a ça. Je dis bon, allez, ah, mochi au durian, maintenant. Bon, j'espère qu'il y a un gros durian dedans. Oh non, ça pue, ça mais... C'est vrai. Mais sérieux, tu peux pas... T'as un truc ça, trop quoi. Chaud et un truc trop froid. Me dis pas que tu sens pas l'odeur. Ah, un peu. Non mais là c'était le pire combo, franchement je vais gerber. Allez goûte-nous ça. Je sais que je lâche. C'est vrai. Oh putain. Fais voir à l'intérieur. Non non, machine, tu vois vraiment. C'est dégueulasse, vraiment genre. Oh. Je vais vomir hein. Goûte. Le petit dé... Oh tu pues de la gueule. Tiens, bois un petit peu de soupe, ça va aider. Non, on veut pas boire de la soupe, non.
Si, boit de la soupe. Il est bien le petit déj. C'est vraiment dégueulasse, genre c'est pire que de manger du durian. Oh, ça pue. C'est horrible. Eh, faut finir, hein. Je peux pas, ça c'est vraiment un truc qui me donne la gerbe. C'est pas possible. Allez, au moins un gros croc et je te laisse tranquille. Bah, c'est ça. Bah, c'est un gros croc, c'est finir le mochi. Soit ça, soit j'ai fini. C'est un gros, ça. Ah ouais, c'est très gros. Montre à YouTube qu'est-ce qui reste. Ils vont juger si ça arrive. Le gars, c'est à moitié, non? Oh, oh putain, ça, c'est dégueulasse. De la gueule. Qu'est-ce que tu fais? Je te filme. Mais sérieux, qui fait ça? Qui crée des mochis au durian? Oh, le goût en bouche est dégueulasse. Pire petit déj de ma vie. À part être piquant. C'est piquant? Ça n'a pas de goût. Oui, c'est piquant. Maintenant, faut que tu boives la soupe. Regarde le liquide. Oh, il est rouge de rouge. Hey, il veut que je vomisse dans l'avion, lui, c'est pas possible. Mais non, après à midi on mange bien. Ouais, bah. À midi, je leur ai dit qu'on mange Five Guys, pour pas être méchant avec toi. Five Guys. Magnifique. Des nouilles à la flotte. Sinon, il y a du durian au cas où, hein, pour rafraîchir. On va laisser terminer de manger son bon petit déjeuner. On va aller s'entraîner et on verra le post-workout. Je lui ai pris des suppléments whey et tout quand on était au brunch. En fait, c'est ce qui s'est passé. Je voulais te prendre des prods. J'ai regardé les cales du shaker et je me suis dit ça, plus le shaker, jamais tu me manges ça. Mais c'est combien de cales? 300 environ. Bah déjà ça, il y a 60 qui est parti. Donc je dis, si je fais ça, elle va me dire j'ai plus de calories, machin. Donc elle m'a bien dit, non, il y avait pas. Si, il y avait le Greek yogurt 1 kilo. Elle m'a bien dit, ouais, tu vas faire une journée où je mange ce que tu veux, mais il faut que ça soit 1700 calories. On va à Five Guys, c'est déjà 1000 calories. Comment vous voulez que je fasse un truc? Déjà là, le petit déjeuner, 400 et je vais skip les prods, je suis désolé. Sinon les gens ils allaient dire, oh trop bien, elle mange un smoothie. Trop cool la vidéo. Bon, je vous reprends pour un moment fatidique. Elle doit boire la soupe piquante. Non mais là, sérieusement, regardez bien moi ça. C'est un petit peu rouge. Bois, 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 bois. Hydrate-toi un peu. Ouais, c'est ça, hydrate-toi. Je suis super énervée contre lui. Un peu de sel pour le pump à la salle. Elle me dit, ouais, je croyais que t'allais me faire un sandwich au thon. Bah ouais, il y avait des putains de sandwich au thon maillot. Elle a cru que c'était journée fête foraine ou quoi? Je bois la mer. Il y a eu des crevettes ou pas dedans? Non, il y a zéro crevette. Je sais pas où ils ont sorti leurs crevettes. Hi. I'll have one cheeseburger. One cheeseburger. For the toppings, we'll have ketchup. Lettuce, tomato, onion, pickle, jalapeno, grilled mushroom, relish, and hot sauce. Il faut quand même que ce soit marrant que je décide. Je vais prendre un peu de Fanta rose, comme ça, ça te fera un petit mélange. Celui-là, il est calorique. Alors, le premier truc que je t'ai pris, c'est un burger, un cheeseburger, mais il y a une petite surprise à l'intérieur, tu verras quand tu vas le déballer. Ah ouais? Bon, bah voilà la surprise en fait, c'est tout simplement de la sauce piquante, la hot sauce que j'ai mis. J'ai demandé hot sauce comme supplément. Puisque je sais que t'adores le piquant. Et j'ai aussi mis un autre truc, j'ai mis des jalapenos dedans. Oh non. Oh la bouche est de fou. Ah par contre t'as pas mangé le jalapeno, il est juste là, on le voit, lui il va piquer. Est-ce que ça pique? Pour le moment ça va, mais j'ai pas encore mangé le jalapeno. Que du coup c'est bon? Ouais c'est bon, mais je sens que ça pique. Je m'en doutais que t'allais faire ça. Mais j'ai pas mis que ça dedans que t'aimes pas. Dans tout ça j'ai mis le premier jalapeno, puis j'ai mis oignon cru. J'ai mis sauce piquante et relish. T'as la surprise en fait, c'est un hot dog mais sans pain. Du coup on se retrouve avec juste de la salade, des saucisses, ketchup, moutarde, un peu d'oignon. Et du coup ça fait 285 cal. Mais du coup je suis deck parce que pour moi j'ai commandé le même. Je me suis trompé, j'ai pris deux fois le même parce que j'étais trop dans ta vidéo. Du coup j'ai aussi un truc à base de salade. Du coup en fait c'est comment? Bon c'est bon, la saucisse est bonne. Bon du coup il faut au moins que tu testes la boisson. C'est un mélange Coca Fanta. Bon, ça vaut, avoir ta tête, ça a l'air d'être bon. La première fois, c'est un goût de coca, et après, c'est un goût de Fanta. Bon, du coup, on va se faire des petits donuts. Un petit donut pour le dessert. Je vais prendre... Oh, il y a pas mal, il y a un au fromage, là. Salé, ça doit être bizarre. Oh, il y en a un autre au pandan. Et quoi? Et... Oh, il y a aussi green tea. Bon, finalement, j'ai été gentil. Je lui en ai pris un chocolat peanut butter. Puisque pour 450 cal, un truc qu'elle aime pas, elle a l'air râler. Du coup, goûte-nous ça. Ah ouais, il est quand même bien fourré au peanut butter. Hein. Verdict, est-ce qu'on sent le peanut butter?
Non, mais il est bon. A few moments later. Pour les gourmands, ça y est, on est arrivé à Bali. Il est actuellement 23h, on n'a pas mangé depuis midi pile. Donc ça va faire presque 12h qu'on n'a pas mangé. Tout est fermé ici. Et pour couronner le tout, on est dans un hôtel où on n'a pas le droit d'apporter à manger dans l'hôtel. C'est-à-dire qu'on doit manger que les trucs de l'hôtel et au restaurant parce qu'ils veulent pas devoir nettoyer la nourriture ici puisque c'est nettoyage tous les jours. Donc en gros, si on mange, on paye 5€ de supplément pour le nettoyage de la nourriture. Tous les jours, mais bon, peut-être qu'on va faire ça parce que quand même les petits déj et tout, des fois on va avoir envie. Ils font le petit déj aussi ici, traditionnel balinais, donc en vrai on verra déjà demain matin ce que ça donne. Mais tout ça pour dire qu'on est arrivé et que la vidéo n'est pas finie et que je continue de choisir ce que Manon mange aujourd'hui. Donc on va voir ce qu'on va manger ce soir. On a trouvé un petit resto qui ferme à 2h du mat, donc on va aller vite fait voir ça. C'est un semblant de chinois. On va voir ce que ça donne et je choisirai ce qu'elle mange. Je vais te penser à tes protes. Je vais penser à tes protes. Bon les gourmands, ça va, brocoli. Ça va, du porc au poivre. Du bœuf au poivre, pardon. Ça va, du riz. Ça va, du poulet au poivre. Mais ça c'est intéressant. Un œuf de 100 ans, Manon. Tu vas goûter ça. Jamais mangé, mais Manon, elle va tester pour moi. C'est un œuf dur en soi, c'est juste qu'il est dans la cendre depuis longtemps et donc c'est comme s'il avait 100 ans. Ça pue ou pas? Non. Ça sent l'œuf. C'est bon. Mais ça a un goût. Ça a un goût de cendre. Je veux que je goûte. C'était pas prévu que je me fasse choper par ce traquenard, mais bon. Un œuf de 100 ans, ça y est, je pourrais dire que j'en ai mangé un. Hein. Mmh. Oh, ça a un goût de poisson, mais l'arrière-goût est ok. C'est quand même bizarre. Hein. Mais c'est pas aussi mauvais que ce que je pensais. Pour le reste, on va manger tranquillement tous les plats qui sont sur cette table. Puisque le reste, c'est tout pour partager. Donc choisis ce qu'elle mange, mais choisis ce que je mange aussi. Par contre, les deux derniers bouts, je vous garantis que pour moi qui vais les manger. Les deux derniers bouts d'œufs. C'est ses protéines. La vidéo se clôture ici sur un œuf de 100 ans qui est une expérience que je n'avais jamais faite et qu'en vrai je suis content d'avoir testé. Toi t'avais pas trop le choix en vrai. Ouais. Mais franchement la journée était... Ouais ça va, c'était pas dégueulasse, c'est juste qu'en bouche il y a vraiment une texture de cendre qui reste. Et puis je crois que ça avait un goût de poisson je trouvais. Ouais, comme les œufs, tu sais, qu'on avait goûté une fois qui étaient hyper salés à la sauce soja là. Ah, c'était salted egg, ouais, ils font ça aussi. Il y avait aussi, mais. C'est écœurant en fait. Ouais, c'est ça. On a pu manger qu'un demi, l'autre puis, demi on l'a laissé. La couleur elle donne pas non plus envie de manger en soi donc. Non. Du coup, à part ça, ça va, j'ai pas été trop méchant. J'ai fait des petits trucs par-ci par-là, mais ça va, t'es vivant. C'était limite le pire, c'était ce matin. Ouais, parce que en vrai, moi je lui ai pas fait manger des cœurs et des crocodiles, quoi, donc voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour être averti de la prochaine vidéo, puisqu'il y en a une par jour pendant 100 jours. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.